Restée stérile au bout de plusieurs années de mariage, Sophie finit par suggérer fort généreusement à son mari Tombi de se choisir une seconde épouse pour avoir des descendants. C'est bientôt chose faite et Sarah, la nouvelle, donne le jour un à un garçon qu'on appelle Hakim. Mais follement fière d'avoir eu ce fils, Sarah se met à traiter la première épouse de voleuse et de vieille sorcière, sans aucun égard pour la générosité de Sophie, ni même pour son âge avancé. Les scènes les plus violentes succèdent aux insultes, jusqu'au jour où vraiment, Sarah dépasse les limites du supportable pour la malheureuse Sophie. Bonsoir chérie. Bonsoir chérie. Désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Voyons. Tu pouvais te mettre au lit comme tout le monde, puisque j'ai le double des clés. Je comprends chérie. Mais je n'ai pas sommeil. Déshabille-toi. Pendant que je réchauffe la nourriture qui a refroidi entre-temps. Viens faire la table. Journée. Alors chérie, comment as-tu passé la journée? Oh, comme d'habitude. Il n'y a rien de spécial à signaler. Si ce n'est une brève visite de tante Elisabeth. Ah. Tu sais chérie, oui.
Elle a toujours des problèmes avec son mari. Ces gens-là, je ne sais pas. Quand vont-ils comprendre que la vie dans un foyer est une chose sacrée? Mais non, chérie. Nous n'avons pas le droit de juger les autres. Si nous avons eu la chance de nous entendre depuis 10 ans que nous sommes ensemble, d'autres, par contre, n'ont pas la même veine que nous. Qu'est-ce qui les empêche de vivre comme nous? Tante Elisabeth et son mari viennent nous voir de temps en temps et on dit que les bons exemples sont à suivre. Pourquoi ne peuvent-ils pas nous imiter? En fait, dis-moi, quel est aujourd'hui l'objet de leur mésentente? Ça, je te parie ma tête, le problème d'argent y est pour quelque chose. Non, l'argent n'a rien à voir là-dedans. Ah bon? Tu sais, chérie, Pierrot a réussi à trouver une place bien. Et tante Elisabeth, de son côté, a déjà une bonne clientèle parmi les femmes de son quartier qui trouve en elle une excellente couturière. Mais si ce n'est pas de l'argent, qu'est-ce qui peut les diviser maintenant? Ne dit-on pas que c'est l'argent qui aujourd'hui fait le bonheur des foyers? Il y a des choses, chérie, que l'argent ne peut acheter. Oh, tu parles! L'argent est la clé de tout, tout. Surtout pour celui qui a un peu d'imagination. Je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. L'argent, certes, peut contribuer au bonheur, mais à lui seul ne fait pas le bonheur. Bon, voilà. On va se mettre d'accord, hein? On va s'entendre. D'après toi, quelle est la chose qui a plus de valeur que l'argent dans un foyer? Chérie, veux-tu vraiment le savoir? Mais si je te pose la question, c'est pour avoir une réponse. C'est vrai. Tu ne peux pas deviner? Dis-le-moi. Non, je ne peux pas. Est-ce si difficile ou alors si pénible? Non! Non! Je ne te dirai rien! Mais tu devrais le savoir! Tu te moques de moi! Non, non. Chérie, je t'en prie, hein? Sèche tes pleurs. Sèche tes pleurs. Tu vois, je n'avais nullement l'intention de te faire du mal. Pardonne-moi si ma question est malvenue. Pardonne-moi. Oh, ça va, regarde, regarde, ça va. Hein? Ça va. Voilà. Hein? Ça va, toi aussi. Voilà. Oh là là. Pardonne-moi, chérie. Je suis stupide. Depuis le passage de tante Elisabeth, je n'arrive pas à retrouver mon calme. Je me demande même si tu ne penses pas la même chose que son mari. Mais quoi donc? Qu'y a-t-il de si grave? Hein? Chérie, tu sais, Pierrot, depuis un certain temps, se plaint du fait que depuis 2 ans qu'ils sont ensemble, tante Elisabeth n'est pas encore conçue. Oh. Insensé. Que va-t-il encore chercher, lui? Alors, croit-il que c'est toutes les femmes qui doivent nécessairement avoir des enfants? Mais non, chérie. Pierrot a raison. C'est un homme comme tous les autres. Et il a le droit de se plaindre. Il est vrai que pour amour, pour moi, tu ne manifestes rien. Mais crois-tu que je suis aveugle? Depuis que Mola, ton neveu, est avec nous, j'observe comment tu as changé. Je sais qu'en ton fond intérieur, tu brûles d'avoir un enfant à toi. Mais pour ne pas me peiner, tu ne m'en parles pas. Oh, tu vois, arrête, chérie, arrête. Hein? Ne dis pas de bêtises. Tu me connais si bien pour penser pareille chose de moi. Écoute, chérie, il n'y a aucun mal à souhaiter avoir des enfants. Je te remercie infiniment de la grandeur d'âme dont tu fais preuve à mon égard. Mais il est de mon devoir de te rendre heureux. Et j'ai pris ma résolution de le faire. Comment? Comment, chérie? Comment? Ne suis-je déjà pas heureux comme ça? Hein?
N'es-tu pas à mes côtés comme je l'ai toujours souhaité? Ne me fais-tu pas les plats que j'adore manger? Mais que veux-tu encore me proposer de plus? Je veux que tu aies un enfant, chérie. Pour cela, il te faut une seconde femme. Oh, non, non, c'est hors de question. Non, c'est hors de question. Au contraire, chérie. Il est grand temps d'en parler franchement. J'ai décidé de te faire prendre une seconde épouse et je l'ai, pour ainsi dire, déjà choisie pour toi. Mais tu es fort? Ça ne te va pas? Où veux-tu que j'amène une seconde épouse de plus? Et puis, que me donnera-t-elle de plus que toi? Un enfant, oh, chérie. Au diable, les enfants. Ma famille en a plusieurs. Oui, mais il te faut un enfant à toi. Chérie, un enfant qui sera ton héritier. Un enfant qui... Oui, un enfant. Tu vois, je ne te comprends plus. Et puis je te reconnais plus, c'est vrai, je te reconnais plus. Tu déraisonnes. Mais comment se peut-il qu'au moment où les femmes d'aujourd'hui veulent vivre seules avec leur mari, alors toi tu t'entêtes à vouloir m'imposer une femme comme ça? Pam! Écoute ma chérie. Primo, qu'est-ce qui te fait croire que cette femme me donnera un enfant? Et secondo, et ça c'est très important, crois-tu qu'elle voudrait de moi cette femme-là? Oh, ne t'en fais pas pour ça, chérie. Ce sera mon problème. Je m'en occuperai personnellement. Tu auras une seconde femme d'ici la fin du trimestre. Eh oui. Si toutes les femmes étaient comme la mienne. Écoutez, elle n'a pas tort, hein? Car mes reins commencent à prendre le coup. Que maintenant tu vois rien plus ne marche. Hé, la mariée. Mais comme tu étais venu en retard, je pensais même que tu venais avec eux. Ils vont pas passer à la mairie, hein? La moula, c'est la moula. Bon, enfin, puisqu'il t'a arrivé, je vais te raconter une histoire. Oui, je t'écoute. Tu te souviens? Tu connais bien la gare de train? Tu avais injurié ma mère. L'ancien de vous, la nouvelle? Oui, je sais que tu es un ancien. C'est la même chose. Mais un monsieur, disons un voyageur, prend son billet à destination de... Pour une fois, bon port. Chemin faisant, or que monsieur s'était fait voler son portefeuille. Il arrive. Pour pouvoir donner un peu de sous au petit transporteur, au petit colporteur, je me trompe. Oh, c'est qu'est-ce qui se passe? Il regarde ici, ah, rien. Bah, il regarde là, rien. Il court vite chercher une torche. Il regarde de partout, impossible. Son ami qui est à côté lui dit, mais tu as dû oublier ça à la maison? Il dit, mais tu as tendance à me traiter de gamin. Lorsque je rentrais dans le portefeuille, le train même était dans ma poche. Le train dans sa poche. Le train dans sa poche. Dépassé par le gouvernement. Et c'est pas tout. Bon. Gaspard. En plus de cela, oui. Il y a un jeune homme qui, pendant tout le temps,
n'a pas pu se trouver un emploi. À chaque fois qu'il arrive ici, pas d'embauche. Le directeur ne reçoit que sur rendez-vous. Le directeur ne reçoit que lundi et mardi. Quand il arrive le mardi, on dit c'est le mercredi. Quand il arrive le mercredi, on lui dit c'est vendredi. Alors un beau jour, il a attendu dans la salle d'attente. Juste quand le directeur est entré seulement, il s'est levé. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance une place en qualité de chef de cabinet ou à défaut planton. Mais... Et donc tu as embauché d'office. Bon, dépêchez-vous là, allez vous occuper des autres choses, je crois que c'est le cabinet, c'est le cabinet planton. Mais il dit à défaut de planton, il veut une place de chef de cabinet. Écoutez, hein? Oui, on va attendre sur la terrasse, non? Ah, certainement, je crois que c'est la meilleure idée. Si tu me veux, on me donne 25 francs. Si tu me veux, on me donne 25 francs. Tu peux le voler. La moula, c'est la moula. Si tu me veux, on me donne 25 francs. Mais pas là, maman moins c'est belle-mère. La plus ça va, on leur son pantalon. La plus ça va, on leur son pantalon. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Hein? On va pour moi, au moins 25 pour moi. N'est-ce pas? Oui. On va pour moi 25 pour moi. D'être déjà, on va voir. Tiens! Ah oui? Assez-vous. Oh! Ça va, merci. On va pour moi, au moins 25 pour moi. Tu te souviens l'année dernière, où tu avais injurié ma mère, cette année-ci. Approchez les verres, rapidement. Bel amour. Oui, son excellence. Ah, attendez, je vais voir si. Il dit son excellence, ça arrive maintenant. Si tu me veux, on me donne 25 fois. Tu te souviens l'année dernière, ah, où tu avais injurié ma mère. Cette année-ci, ma mère s'est ta belle-mère. Ah oui, cette année-ci, ma mère s'est ta belle-mère. Quel amour. Cette année-ci, ma mère s'est ta belle-mère. La chance, cette année-ci, ma mère s'est ta belle-mère. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Quel amour. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Ah oui, cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Ma gosse, cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Ma gosse,
Jean, vite là. C'est à la santé ou à la... l'honneur. Ah, à l'honneur d'un nouveau marié. Qui voulait marier? Ma mère, c'est ta belle-mère. Ma mère, c'est ta belle-mère. Qu'est-ce qui a fait un peu d'anglais ici, par là? Ben, Gaston, j'étais professeur d'anglais en 1946. Hein? 1946, j'étais professeur d'anglais. Ah bon, d'accord. Donc tu vas dire à son Excellence oui. que nous allons maintenant procéder à l'ouverture du bal. Attendu. Excellence. Yes. Now we're going to open the bal. Oh, master. C'est moi qui fais ce soir le premier pas pour saluer un peu mon cœur. Vois, rien que les sons, je n'ai pas testé. Je prends de tes nouvelles, je m'enlève. Je ne fais que passer. Moi, je te retrouve au milieu de tes fleurs. C'est toi la vie à toutes les fleurs. Et les goûts du bonheur. En noir et blanc, je vois passer les jours comme un brouillard qui tourne les retours. Oui, son Excellence veut parler. Il a quelque chose à dire. Parle. Oui, oui. D'accord. Mrs. Gray. Yes. Okay, Master. Yeah. You tell to Mr. Tombe yes. and all of his girls yeah. that I'm very satisfied oh, yeah?
obey here. Okay. I come here. Yes. In order to discard all the customers. Qu'est-ce qu'il dit l'ambassadeur? Donc faut nous traduire ça un peu aussi. L'ambassadeur, je parle quand il s'arrête pas. C'est ça, mais comme il dit qu'il est très content d'être ici. Oui. Il remercie Monsieur Tombi, Madame Tombi. Et puis la nouvelle épouse également. Ah bon, d'accord. Et... So, yes. Mais attention, mon ami. Oui. Est-ce qu'il ne peut pas se débrouiller un petit peu en français, son excellence? Excellence. Il te faut encore un recyclage, là, tu ne comprends pas bien, là. Depuis 46, il y a longtemps. Ah oui. Ok. If you can speak small French, they want to know if I can try my best in French. Yes. Oh, monsieur, mais en français, je peux me débrouiller un peu. Voilà, c'est donc ça. Donc ça va? Oui, c'est ça. Ça, c'est très intéressant, ça. Oui, c'est-à-dire que je voulais souligner une partie qui m'a vraiment surprise. Parce que... Vraiment surpris. Surpris. Ah bon. Ah yes. Que Mr. Tombi m'a invité ici. Je suis venu, mais ça m'a étonné que Mr. Tombi ait deux femmes. Ah, c'est comme ça ici chez nous. Ah, dans notre gouvernement là-bas, in United States of America, le gouvernement n'autorise pas que quelqu'un peut avoir deux femmes. Ça, c'est quelque chose de spécial, quoi. Parce que des femmes, le gouvernement croit que c'est emmerdant, c'est embrouillant, comme ça. Ah, bon, d'accord, ça va. Ici, c'est comme ça. Voilà, ainsi, comme vraiment, je suis très, très contente, ma femme, Mrs. Craig Brown, et moi, nous avons prévu ces deux présents pour donner à Mr. Tombi et ses deux femmes que vraiment nous participent dans leur joie pour le mariage qu'ils ont fait, quoi. Ah bon, d'accord. Merci, Sandra. Merci. Dans la deuxième position, yes. Je voudrais manifester de plaisir que vraiment je suis sensationnellement content. Oui. Par là, je donne cette enveloppe à Mr. Tombi et ses wives. Ses femmes. Ah, bon, Mr. Tombi et ses femmes. Ah, pour dire à son excellence, il peut danser, hein, c'est... Encore. So, excellence, it is time to dance. Alors, if we want to dance, no problem. Oh, mais levez-vous, le danseur. Ah, ok. She's a good man.
Oui, ça, on faisait ça très longtemps. Allez-y, allô. Alors, tu as déjà remplacé Tombi? Je suis Tombi. Allez, musique. Tiens. C'est ça, hein? Bon, ben, on fait comme ça. Plaisir, hein? Ah, c'était très bien. Je sais, les invités sont pas bien. Tu peux pas faire. Ouh, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon. C'est bon. Alors, bon. Tu vas aller chez maman, hein? Tu vas chez maman. Tu restes ici ou bien tu vas chez maman? Viens t'asseoir, assois-toi. Ta maman, il y a mal là. Hein? Ta maman, il y a mal là. Où ça? À Jérôme. Tu vas aller là-bas. Hein? Est-ce qu'elle est là? Hein? Bon, tu vas aller, moi je vais aller travailler. Hein? Je vais au travail. Allez, fais bas, papa. Ah, tu es gentil. Bon, allez, va chez maman. Hein? Va chez maman. Je viens, hein? Il faut t'amuser avec moi là, hein? Je viens tout de suite. Je vais t'envoyer des bonbons, hein? Bon. Je t'ai toujours dit que je n'aime pas qu'on me fasse des choses pareilles. Qui t'a permis d'entrer dans ma cuisine sans mon autorisation? Je crois que tu as aussi une cuisine pareille à la mienne. Alors, que voulais-tu encore manigancer ces femmes stériles? Ma fille, tu sais que je ne fais jamais quelque chose sans demander ton avis. C'est vrai que je suis entrée dans ta cuisine sans ta permission. Mais si je l'ai fait, c'était d'abord pour y chercher les assiettes dont j'avais besoin pour le repas du soir.
Ensuite, se passant ce moment-là, j'avais constaté que tu n'étais pas à la maison. Eh oui, tu avais constaté que je n'étais pas à la maison. Que veux-tu encore insinuer, méchante vipère? Voudrais-tu laisser entendre que je ne reste jamais sur place, qu'il n'y a que toi, que tu t'occupes de tout ici? Mais non, ma fille, tranquillise-toi. Je n'ai eu aucune arrière-pensée quand je disais cela. Je t'ai dit que je ne voulais que les assiettes pour le repas de notre mari. Ne m'appelle plus ta fille. Tu n'as jamais eu d'enfant et n'en auras même pas. Méchante vipère, pourquoi donc m'appeler ta fille? Excuse-moi, ma fille. Je crois que ce n'est pas ma faute. Si mon cher époux n'a pas eu la chance d'avoir un héritier de moi, il y a des choses dans la vie qui ne dépendent pas de nous. Laissons donc tomber cette question d'enfant. Puisque mon mari est à présent comblé grâce au petit Hakim que tu lui as donné. Tu me fais rire. Cela ne dépend pas de toi si tu n'as pas eu d'enfant. Est-ce peut-être ma faute? Si en venant au mariage, ton père t'a arrêté le ventre, tu crois savoir des choses, toi? Toujours à philosopher. Laissons tomber tout cela, ma fille. Inutile de parler des choses qui nous dépassent. Une fois de plus, excuse-moi d'être entrée dans ta cuisine sans permis. Tu n'as pas d'excuse à me demander. Je t'avertis seulement que c'est la dernière fois de te voir dans ma cuisine. Autrement, j'ai compris, ma fille. J'en tiendrai compte la prochaine fois. Alors, fils, as-tu bien passé ta journée de classe? Très bien, tonton. Qu'en dit encore les profs? Rien de particulier. Ils nous ont fait seulement travailler. J'espère que tu as bien travaillé. Tu sais, j'aimerais que tu deviennes un jour un grand type. Ta mère et moi n'avions pas eu la chance d'aller très loin. Ainsi, il faudra que tu travailles pour nous tous. Tu as compris? Au fait, attends de te voir ton devoir d'aujourd'hui. Oui, tonton. Bon, fais-moi voir tes feuilles, là. Laisse-moi passer. J'ai encore eu la première note en français et en anglais. Mais une fois de plus, j'ai mal fait les maths. Je n'ai eu que 8 sur 20. Remarque que 8 sur 20 en maths n'est pas tout à fait une mauvaise note. Hein. Rappelle-toi que dans la famille, nous avons toujours été calés en français. Je me rappelle que mon frère est justement celui qui suivit ta mère. En sortant de Ndungé en 1936 avec son CP, avait été le meilleur rédacteur à l'imprimerie commerciale. Dommage qu'on ne reconnaisse pas aujourd'hui la valeur des gens. Ne sois pas inquiet si tu as 8 sur 20 en maths. C'est déjà beaucoup. Hein? Merci, tonton. Le premier en maths a eu 20 sur 20. Et j'avais honte de ne pouvoir l'égaler. Surtout que c'est mon meilleur camarade. Oh, n'y pense plus, mon petit. Hein? N'y pense plus. Tu sais que tu seras encore premier le trimestre prochain. Inutile d'être si triste. Ce n'est pas cela qui me rend triste, tonton. Mais si c'est pas cela, qu'est-ce qui te tracasse? Tu vois, je t'ai toujours dit que je n'aime pas te voir afficher cette mine. Ou bien te manquerait-il quelque chose que je n'ai pu te donner? Non, tonton. Tu sais, je ne manque de rien. Du moins pour le moment. Mais alors, mais pourquoi tu es triste? De rien, tonton. Comment rien? Alors que je vois que tu n'es pas gay. Ah bon? À ton âge, me cacherais-tu déjà quelque chose? Non, tonton. Mais alors? C'est seulement parce que mes tantes se sont disputées. Oh, les maudites!
commanditaire. Voilà la conséquence d'avoir deux femmes à la maison. Bon, va étudier. Nous réglerons cela tout à l'heure. On n'est pas gai ce soir, mes chers colombes. On dirait qu'un mauvais vent a soufflé par ici. Marraine, que se passe-t-il? Pourquoi sa mine si triste? Oh, tu sais, la fatigue de la journée. Et il fait vraiment chaud ces derniers temps. Ah ouais, vraiment, tu as raison. Il fait vraiment chaud ces derniers temps. Et toi, ma poupée? Est-ce la chaleur qui te fatigue toi aussi? Mais tu ne dis rien. Laisse-moi. Laisse-moi. Je t'ai toujours dit de m'acheter une serrure pour la porte de ma cuisine et à chaque fois tu me dis d'attendre. Quand on volera jusqu'à mes mamites, alors tu seras content. Dis donc. Nora! Nora! Tonton! Les voleurs rôdent déjà par ici? Mais je ne sais pas, tonton. Mais je croyais qu'on était en sécurité dans ce quartier. Ce n'est pas des voleurs dont je parle. Après tout, les voleurs n'ont pas de signes extérieurs particuliers. Et n'importe qui peut voler. Bon, voilà. Sarah, tu vois, sois explicite. Hein? Tu vois, je n'aime pas te voir prendre ce terre-là. Qu'est-ce qui se passe au juste? Beaucoup de choses, si tu veux le savoir. Chaque fois que je ne suis pas là, ta femme fouille dans mes affaires. Et je ne sais pas ce qu'elle me cherche. Aujourd'hui encore, à peine avais-je le dos tourné, qu'elle se précipite dans ma cuisine. Alors il faudrait que tu achètes une serrure pour la porte de ma cuisine, si tu ne veux pas d'histoire ici. Ah bon? Êtes-vous déjà devenus des ennemis dans cette maison? Alors là, voilà quelque chose que je ne voudrais surtout pas entendre. Mais au fait, toi, ma reine, que cherchais-tu dans sa cuisine? Si j'ai fait construire à chacune de vous une cuisine, c'était pour éviter ces histoires banales. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que ma fille terminait le tour de sa cuisine hier. Ouais, je le sais. Comme tu n'étais pas à la maison à midi, je n'ai pas eu le nécessaire d'aller chercher les plats dont on se sert pour la table. Ce soir, après avoir préparé, je suis allée prendre ses assiettes pour repartir le repas. C'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué à ma fille, mais elle n'a pas voulu me comprendre. Mais, Sarah, est-ce là toute l'histoire? Mais c'est quand même bête. Sois quand même raisonnable. Après tout, vous n'êtes que deux ici. Je ne crois pas que ce soit un tort s'il ne s'agissait vraiment que de cela. Bon, écoute-moi, bon voilà, je ne veux plus cette grimace. Oui, je savais que tu prendrais parti pour ta femme. Je sais que c'est elle seule que tu aimes et qui compte pour toi. Tu ne m'écoutes même pas. Et aussitôt, tu lui donnes raison. Seule ma mère avait vu juste quand elle me disait de ne pas accepter ce mariage. Bon, écoute Sarah, hein? Écoute Sarah, ce n'est pas quand même pour une histoire banale comme ça tu vas te mettre à pleurer, hein? Voilà, sèche tes pleurs, hein? Ça va, ça va, ça va. Dès demain, j'achèterai une serrure pour la porte de ta cuisine. Et à chaque femme, j'achèterai un ensemble pour le service de table, hein? Sois tranquille. Oh, ça va, toi aussi. Mais...
Voilà la conséquence d'avoir deux femmes à la maison. Moi, je veux frapper qui? Hein? Tes mamans. Dans ma chambre. Tu le vois bien, ma fille. Je prenais le fer à repasser. Ne pouvais-tu pas attendre mon arrivée? Et si quelque chose disparaissait? On est venu m'annoncer que ma cousine Dolo vient d'être retenue à l'hôpital. L'empressement dans lequel je me trouvais, je ne pouvais attendre longtemps. Tu voudrais bien m'excuser, ma fille. Je t'ai toujours dit de ne plus m'appeler ta fille. Si tu n'étais pas sorcière, tu en aurais déjà enfanté. Une qui ne serait d'ailleurs pas mon égale. Crois-tu avoir l'âge de ma mère, toi? Ce n'est pas de cela que je voudrais parler, ma fille. Je sais que tu es encore jeune. Et c'est la raison pour laquelle j'aime t'appeler ainsi. Aucune comparaison donc avec madame ta mère, qui, à mon avis, est une femme respectable. Elle, ce que je cherchais là, j'ai eu. Bien, je l'avais bien dit. Qui a pris le billet de 5000 francs qui était sur la table de chevet? Cet argent se trouvait là hier, mais maintenant il n'y est plus. Mais qu'entends-tu par là, ma fille? Me voici encore sur place, avec entre les mains le fer à repasser dont j'avais besoin. Si tu ne me crois pas, je t'autorise de me fouiller. Quoi? Te fouiller? Tu me fais rire. Je te demande seulement où se trouve cet argent. Tu me vois en train de te déshabiller pour voir. Si tu as caché l'argent dans ton soutien ou ailleurs. Ma fille, je crois que tu ferais mieux de réfléchir encore et de te rappeler l'endroit où tu as mis cet argent. Je ne vois pas qui peut l'avoir pris de l'endroit où tu l'as laissé. Peut-être ne l'as-tu pas mis en sécurité et que quelques souris l'auraient-elle déplacé. Vas-tu maintenant m'apprendre à entretenir ma chambre? Je ne t'ai pas dit que j'avais besoin de tes conseils. J'ai encore mes parents pour se charger de mon éducation, si cela était encore nécessaire. Je sais seulement que le billet de 5000 francs qui était sur la table ne s'y trouve plus, c'est tout. Fouille encore bien, ma fille. Je dois m'apprêter pour l'hôpital. Peut-être n'as-tu pas bien regardé. Ce que tu cherches, tu vas avoir ici. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire ici pour avoir la paix. Toujours des amis avec cette vipère qui, par-dessus le marché, m'appelle sa fille. Quel train elle a? On dirait tout ce que j'ai dit pour la blesser lui glisse sur le corps comme l'eau sur les écailles d'un poisson. Mais je saurais le prendre autrement la prochaine fois. Ou c'est elle qui donne les enfants ici, ou c'est moi. Je verrai qui triomphera. Le mal est que mon mari, avec son esprit de justice, a toujours tendance à lui donner raison. Mais je saurais les briser tous les deux où je ne suis pas capable. Alors, fils, tu m'as toujours surpris. Tu parles toujours comme une grande personne. N'as-tu pas parfois peur que je sois offusqué par ta liberté d'expression? Non, tonton. Tu sais, je ne me suis jamais posé cette question. Pour la bonne raison que je ne me rends même pas compte du ton que j'emploie avec toi. Assieds-toi. Tu es un jeune intelligent. Et j'espère que ton cousin Hakim aura la même intelligence que toi. Je l'espère aussi, tonton. Déjà, il ne pleure pas quand tu lui arrives de perdre l'équilibre et de tomber d'un endroit où il s'était agrippé. Et quand il a faim, il préfère sucer ses doigts que de se plaindre. C'est vrai? Oh. Tu sais, je n'ai pas le temps de remarquer tout cela. L'enfant est tout à sa maman. Il n'est pas encore à l'âge où je pourrais m'en occuper personnellement. C'est vrai, tonton. Il prend parfois l'habitude de regarder les gens quand il parle, comme si lui aussi prenait plaisir à la conversation. Cela, franchement parlé, m'a souvent surpris. Cela ne doit pas te surprendre, fils. Tu sais, il y a des gens qui prétendent
que l'homme, avant de venir dans ce monde, a d'abord vécu ailleurs. Et c'est de cette vie passée qu'il rapporte des dons qui font de lui quelqu'un de bon ou de mauvais. Enfin, personnellement, je ne sais pas si cela est exact. Car les philosophes racontent toujours beaucoup de choses. Mais dis-moi, tonton, oui. Qu'est-ce qu'un philosophe ? Un philosophe, c'est un homme comme toi, comme moi, enfin un mortel comme tout et chacun. Alors pourquoi l'appelle-t-on philosophe au lieu de l'appeler homme tout court ? On l'appelle philosophe parce qu'il passe son temps à réfléchir pendant que les autres travaillent. Ah. Alors un philosophe ne travaille-t-il pas, tonton ? Mais de quoi se nourrit-il donc ? Les philosophes sont des paresseux. Ils cherchent à savoir qui est Dieu. Pourquoi l'homme souffre et ce qu'il faut faire pour atténuer cette souffrance. Alors, ils écrivent des livres et des livres qu'ils vendent à d'autres qui, comme eux, n'ont rien à faire. Enfin, de toute façon, tu auras étudié la philo l'année prochaine. Mais dis-moi, tonton, qui est Dieu d'après toi? Ça aussi, j'aimerais le savoir. Ah, si tu te poses cette question, tu deviendras toi aussi philosophe. Car ceux qui écrivent des livres et des livres n'ont rien à faire. Pour revenir à ta question, qui est Dieu? Je ne sais moi-même qui il est. Et puis pourquoi devrais-je le savoir? Tout ce que je sais, c'est que je mange, je bois et je dors. Alors, tonton, tout le monde peut-il avoir facilement de quoi manger, boire et où dormir? Voilà. Je te défends de poser pareille question. Car ceux qui se la posent sont des socialistes. M'entends-tu? Des socialistes. Et les socialistes, il faut s'en écarter. Mais dis-moi, tonton, qu'est-ce qu'un socialiste? Je n'en ai jamais entendu parler dans notre pays. Ah, cela vaudrait mieux pour toi. N'en parlons donc plus. En fait, voilà. J'ai vu ton prof de français aujourd'hui. Il m'a dit que tu étais encore premier au dernier devoir. Oui, tonton. J'ai été premier. Et j'ai rattrapé le camarade qui me donnait le pion en maths. On a tous deux obtenu 15 sur 20. Et pendant que je recevais 14 sur 20 en français et 13 sur 20 en anglais, il obtenait respectivement 9 sur 20 et 10 sur 20. Ainsi, j'ai pu être premier et lui troisième. Mais c'est très bien, mon petit. Mais c'est bien ça. Ah. Voilà ce que je te demande. Tu fais vraiment honneur à la famille. C'est très bien. Mais on dirait que ce succès ne te dit rien. Au fait, dis-moi, que veux-tu en fin de compte? Tes tantes ne sont-elles pas aimables avec toi? Si, elles le sont, tonton. Mais alors? Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'elles n'arrivent plus à s'entendre depuis un certain temps. Aujourd'hui encore, elles se sont disputées de façon qu'à mon retour de classe, je ne savais pas comment les saluer. Bon, mon fils, tu vois, il ne faut jamais faire attention à ce que font les femmes. Hein? On ne sait jamais pourquoi, mais elles se chamaillent tout le temps. Rentrons, de peur d'attraper froid. Mais Colombe se porte-t-elle bien? J'espère que la journée a été bonne. Oh, pas tellement bonne. Dans la mesure où ma cousine a été retenue à l'hôpital cet après-midi, par suite d'un mal de cœur. Oh, je regrette pour toi. Samedi venu, je crois avoir un bout de temps t'accompagner lui rendre visite. Ce serait un soulagement moral pour elle. Et je t'en remercie d'avance. Oh, c'est rien ça. Tu sais, j'ai toujours fait de mon mieux pour vous assister dans vos difficultés. Merci. Et toi, ma poupée? Tu ne dis rien. On dirait que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas ce que me cherche ta femme. Voilà. Il a été convenu qu'elle ne devrait pas toucher mes choses sans permission de ma part. Et voilà qu'aujourd'hui, en revenant d'une promenade avec l'enfant,
je la vois qui sort de ma chambre. Dans la chambre, j'ai remarqué que le billet de 5000 francs qui restait pour la ration, qui se trouvait sur la table dissimulé sous un lit, avait disparu. L'argent qui était sur la table, dissimulé sous un livre, avait disparu. Mais quelle est encore cette façon de parler? Qui a donc volé l'argent? Au fait, toi, marraine, que cherchais-tu dans sa chambre? Je crois que pour plus d'harmonie conjugale, j'avais demandé à chacune de vous de se tenir tranquille, puisque vous ne voulez pas vous entendre. Mais alors, que se passe-t-il? C'est vers 15 heures qu'on est venu m'annoncer que ma cousine Dolo vient d'être admise à l'hôpital et que ma présence auprès d'elle était urgente. Je devais m'y rendre aussitôt quand j'ai remarqué qu'il fallait passer un coup de fer sur la camisole que je devais mettre. Je me dirige donc vers le tiroir où habituellement se trouve le fer à repasser. Rien. C'est alors que je me rappelle que ma fille qui repassait hier a dû par inadvertance le garder dans sa chambre. L'empressement dans lequel je me trouvais, je ne pouvais faire autrement que d'aller chercher le fer. Et surtout que je ne savais quand elle reviendrait. Juste quand je sortais de sa chambre, elle revenait de promenade. Si bien que si j'avais quelque chose d'autre, elle devrait le savoir. Encore que je lui ai permis de me fouiller, si elle était convaincue qu'elle avait vraiment perdu l'argent dont elle parle. Ah bon? Ben voilà. Mais Sarah, as-tu bien cherché? Tu sais, comme l'enfant marche déjà, il peut par méga déranger les affaires qui sont sur la table et déplacer ainsi l'argent qui était sous le lit. Mais pour qui me prenez-vous déjà? Pour une menteuse ou une voleuse sans doute? J'ai dit que l'argent a disparu et je ne sais qui l'a pris, c'est tout. Non mais voilà, on ne te condamne nullement. Hein? Je te dis de bien regarder dans tes affaires. Il se peut que tu n'as pas bien fouillé comme il faut et que l'argent soit tombé quelque part. Voilà ce que je te demande. Toujours contre moi. Je le savais bien. Mais c'est difficile. Jamais tu n'as essayé de croire ce que je te dis. C'est toujours moi qui sème les histoires dans cette maison. Oh, mais pourquoi n'ai-je pas suivi tes conseils? Pourquoi suis-je venue ici? Oh, maman, tu avais raison. Toi seul avais raison. voilà. Sarah, écoute-moi. Écoute-moi, je ne te veux aucun mal dans cette maison. J'essaie seulement de te faire comprendre le bon sens. Sophie est ta co-épouse et tu dois vivre en harmonie avec elle. Dis-toi qu'il y a au moins 15 ans et demi que je vis avec elle. Je la connais, elle. Elle ne peut pas avoir plus cet argent. Pourquoi donc l'accabler inutilement? Je sais que cet argent est tombé quelque part et que tu le retrouveras. Mais quand bien même il sera perdu, ne te fais pas tant de soucis. Je pourrai moi-même à cela. Bon, voilà, Sophie. Écoute-moi une bonne fois pour toutes. Cesse d'aller dans sa chambre. S'il le faut, j'achèterai un fer à repasser à chacune de vous. Pourvu qu'il y ait de la paix ici. Voilà tout ce que je vous demande. Bon, non, Sarah, ça va. Laisse-moi. Laisse-moi. Va sur ta femme. Mais, à propos de quoi, ma fille? Tu oses me le demander?
qui d'autre faut-il que je m'adresse, puisque c'est toi qui as entamé la conversation? C'est vrai que tu n'as rien dit. Je ne sais où tu veux en venir, ma fille. Tu sais que je ne suis pas muette et qu'il peut m'arriver de causer avec qui que ce soit. Alors c'est parce que tu n'es pas muette que tu te permets de parler de moi. Pas que je sache, ma fille. Tu fais sans doute erreur, car je ne me rappelle pas avoir prononcé ton nom devant quelqu'un ces derniers temps. Es-tu sûr de ce que tu dis? Ne crois-tu pas avoir parlé de moi hier quelque part? Puis-je savoir où, ma fille? Il se pourrait peut-être que je me trompe moi-même. Nul n'est infaillible, dit-on souvent. Ne te rappelles-tu pas la conversation que tu as eue hier à la fontaine? Ah, Brouhaha. Tu n'as pas dit, tu n'as rien dit. Mais je ne vois toujours pas en quoi cela peut t'intéresser. Tu ne vois pas. Il ne s'agissait pas de moi, par exemple. Tu fais erreur, ma fille. Tu peux donc te calmer. Mais calmer, après tout ce que tu as dit. Ma fille, je ne crois pas avoir dit quelque chose te concernant. Du moins, pas quelque chose de préjudiciable. Puisque tu t'entêtes à nier le fait, peut-on savoir ce que tu as dit hier à la femme du voisin? Rien qui puisse t'intéresser. Rien. Et de quelle femme s'agissait-il dans votre conversation? Tu peux toi-même lui poser la question. Je t'avoue que notre causerie ne te concernait en rien. C'est ce que nous verrons. Mégère. Mais rappelle-toi qu'ici à la maison, ce n'est pas toi qui commandes. Regarde-moi ça. Mais comment faire pour branler cette sorcière? On dirait qu'elle est vraiment insensible. Toutes les mauvaises paroles ne parviennent pas à la bouleverser. Je devrais sans doute changer de méthode. Et ceci, dès ce soir même, on verra qui de nous deux restera dans cette maison. Alors, fils, je vois que tu as augmenté d'un pouce. Tu grandis vraiment trop pour ton âge, hein? Est-ce vrai, tonton? Je ne me rends pas compte moi-même. Comment veux-tu le savoir? Tu n'as même pas le temps de t'occuper de toi. Je ne te comprends pas, tonton. Eh oui, tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais jamais rien de ce qui te concerne. Tu manges sans t'occuper de ce qu'on te présente et tu ne t'amuses presque jamais. Mais pourquoi devrais-je savoir ce que je mange, tonton? Je sais que de ce côté, nous sommes tranquilles. Nous n'avons pas à nous plaindre puisque tu es là. Ouais, mais tu dois au moins t'amuser, hein? Il ne faut pas rester comme ça. Je m'amuse au lycée, tonton. À la pause, je sais parfois le faire comme les autres. Mais tu dis bien parfois, mais pas toujours. Je ne peux pas toujours m'amuser, tonton. Il y a parfois des moments où je ne sais pas ce que je fais. Ah, c'est justement ce que je te reproche. Ton proviseur même m'a dit de te surveiller. Car au lieu de t'amuser comme les autres, tu es toujours à l'écart en train de réfléchir. Je ne peux pas toujours m'amuser, tonton. Les camarades sont très brutaux et je n'aime pas m'ennuyer. Oh, dis plutôt que tu crains de te lier. Et puis, je ne t'ai jamais vu avec une fille. Mais pourquoi en faire, tonton? Il est vrai que les camarades m'appellent souvent Seigneur, parce que prétendent-ils je fais le grand. Mais je ne vois pas en quoi. Ah bon? Tu ne sais pas pourquoi? Tu ne peux pas l'ignorer toi aussi. Ah, j'y suis.
Je me rappelle qu'un jour, un camarade m'a dit que je ne voulais pas m'amuser avec eux parce que me croyait le premier de la classe et parce que mon oncle était riche. Mais je n'ai pas compris où il voulait en venir. Ah, tu vois, fils, je savais qu'on te le dirait un jour. Tu es souvent trop seul pour ton âge. Quand j'étais comme toi, je ne savais pas encore ce qu'étaient les livres. Toi, tu es toujours soit en train de lire, soit de réfléchir. Toi, ce n'est pas un bon signe. Il faut savoir te trouver des camarades de jeu. Hein? S'il le faut, je pourrai moi-même à cela. Si c'est nécessaire, tonton. Personnellement, je ne me rends vraiment pas compte de tout cela. Oui, je comprends. Tu es encore jeune. Et c'est à moi qu'incombe la tâche de guider tes premiers pas dans la vie. Tu m'entends? Bien. Bon, on va rentrer, il se fait un peu tard. Et j'ai une fin de nuit. Je l'appelle et ne dis rien. Tu viens manger? Hein? Dîner, ma reine. J'avais grand appétit et je crois que je mangerai tout ceci à moi seul. Mais en fait, ne reste-t-il plus quelque chose dans la cuisine? Si. Mais ma fille n'était pas là et je ne pouvais pas avoir les plats qu'il fallait pour la table. Dès qu'on aura terminé ceci, j'irai chercher le reste. Oh. Je vous avais promis une paire de plats, mais je ne sais jamais où je mets la tête. Heureusement, c'est samedi demain. Tu me le rappelles, fils? Oui, tonton. Je t'accompagnerai bien au marché. À part ça, mes colombes n'ont besoin de rien. Sarah, tu n'as besoin de rien? Non, rien pour le moment. Merci. Ah bon. Mais je t'attendais cependant pour savoir quelle est ma place dans cette maison. Puisqu'il y a certaines choses que je ne peux plus supporter. Quoi? Ta place dans cette maison? Oui. Alors là, je n'y comprends plus rien. Te voici confortablement assise. Voici ta chambre, ta cuisine et tout le reste. Mais que veux-tu d'autre? Ce n'est pas de cela dont je voudrais parler. Chaque fois que je ne suis pas là, ta femme se met à parler de moi. Alors je voudrais qu'elle me dise en ta présence ce qui ne va pas. Mais sinon... Sophie, quand le mouton est là, inutile de bêler à sa place. Nous t'écoutons. Sophie, je dis nous t'écoutons. Vraiment, je ne sais de quoi il s'agit. Elle a commencé à me parler de cette affaire dans la journée. Je lui ai dit qu'elle ne savait pas de quoi il était question.
Elle ferait mieux de laisser tomber tout cela. Laissez tomber après tout ce que tu as dit. Ma fille, je ne crois pas avoir dit quelque chose de désobligeant à ton encontre. Je t'ai même demandé de te renseigner auprès de notre voisine pour savoir l'objet de notre entretien d'hier. Personnellement, je n'y vois aucune importance. Bon, regarde, ce n'est pas le moment de m'énerver, tu as compris? Ce n'est pas le moment de m'énerver. Sarah, qu'as-tu appris de si grave qui te met en colère? Je t'ai toujours dit que ta femme ne veut pas de moi dans cette maison. Quand elle est allée à la fontaine hier, elle est racontée à notre voisine que je faisais ceci, que je faisais cela. Mais en disant cela, elle ne savait pas que la fille du boucher était là. Et c'est elle qui m'a tout appris. La fille du boucher? La fille du boucher, j'ai dit. La fille du boucher, très bien. Et Mola, Mola! Tonton. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas m'appeler la fille du boucher. Et dépêche-toi. Aujourd'hui, je suis décidé à prendre mes responsabilités. Mais si ta femme, c'est pas toi. C'est moi qui commande ici. Tu as compris? J'ai dit si elle sait pas. J'ai dit tais-toi. Voilà, c'est ce que je veux. Pardon. Alors vous pensez que j'ai peur, quoi? Quand je vous vois faire comme ça, alors pour vous, c'est la peur. Ah non. Je suis prêt et je suis décidé à taper dur et fort. Ça fait 15 ans que moi je vis dans ce quartier. Tous mes cohabitants me respectent. Mais aujourd'hui, c'est les autres qui nous écoutent. Mais ils ne nous écouteront plus. Ça sera la dernière fois. Ils ne nous écouteront plus. Qu'est-ce que cela veut dire, ça? Hein? Qu'est-ce que cela veut dire, ça? Ouais. On dit qu'elle est sortie. Mais où elle est partie? Elle est sortie. Ça dit quoi? Elle est allée à la fontaine. À la fontaine. La fontaine où on raconte tout là. Bon. Ce n'est que partie remise. On reviendra là-dessus. Je ne laisse pas tomber. Soupi. Je t'écoute. Puisque tu l'exiges, je ferai ta volonté. Hier, justement, l'eau était coupée dans la zone. Je me suis donc rendue à la fontaine où j'ai croisé Blandine. Elle me parlait de ses difficultés à entretenir sa maison, car son mari couvrait la rue. Et avec cette inflation galopante, elle ne sait plus que faire. Je lui ai conseillé d'avoir du courage, qu'elle n'était pas seule dans cette situation. Car mon frère est venu me trouver l'autre jour pour me dire que cette femme à lui n'arrivait plus à s'entendre et qu'il lui fallait remettre l'argent de la ration à chacune tous les matins. Bon, c'est ce que vous voulez ici. C'est ce que j'explique à ma voisine. Je n'ai pas compris pourquoi ma fille n'a pas voulu me croire. D'ailleurs, si cela est nécessaire, on peut même exiger le témoignage de la voisine. Elle est la vilaine. Sarah, oui, c'est toi. Oui, Sarah. Madame, regardez-moi. Viens. Mais le temps qu'on a pour vous dans ce quartier, nous n'avons pas pour les deux femmes. Madame, hein? Regardez-moi, regardez-moi. Mais madame, je ne sais pas. Regarde-moi ta femme stérile que tu sois. Qu'est-ce que tu as fait? Toi. Madame, tu es la que tu as fait. Laissez tomber. Tu es resté ici pendant 30 ans, la qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis venu avant que tu aies bien entendu. Madame, regarde-moi ta femme stérile. Madame, c'est rien. Madame, écoute-moi. On ne peut pas acheter les enfants. Ça va. Écoute-moi, Marie. Madame.
madame, c'est moi qui te parle. Madame, c'est moi qui te parle. J'ai dit, j'allais ma madame, ça va. J'allais ma vilaine. Je t'ai toujours dit de ne plus m'appeler ta fille ici. Si tu n'avais pas donné ton vague. Madame. Oh, madame, ça va. Hein? Si tu n'avais pas donné ton vague pour envoûter ton mari, ton bille, tu en aurais eu de plus vieille que moi. Et toi, vieil âge, j'en ai marre maintenant. Tu as compris? Madame, ça va. Toujours à prendre parti pour ta femme. Crois-tu que je passerai mon temps à moisir ici? Tu as menti, choisis dès maintenant. Où c'était cette femme stérile que vous avez? Madame, ça va. Madame, ça va. Tu resteras ici. Madame, ça va. Tout ça, moi, la main de ton héritier, tu devrais partir. Viens. Madame, ça va. Madame, ça va. Oh Dieu. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Mais, Tommy, on était très bien ici. Madame. Oh. Je reste vraiment pour vous dans ce quartier. On a trop de respect pour tu vous. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu veux vraiment que je parte? Hein? Allons mon enfant, il faut plus cette maison de pestiférée, un mari lâche, une corbeau sorcière, sans oublier ce tétard de l'effet, incapable de ne rien faire. Maman, tu as vu le problème de deux femmes? Cours après elle. Va la chercher. C'est sa place ici. Moi, je partirai s'il le faut. Mais il faudrait qu'elle reste. C'est elle la mère de ton héritier. Que deviendras-tu sans enfant? Grand-père, dit-on, avait une dizaine de femmes. Cela était normal étant donné son titre de chef du village. Mon père, à son tour, en a eu cinq. Mais l'un ou l'autre, la difficulté parce qu'ils étaient polygames. Moi, je voulais rester monogame. Vivre seul avec ma première femme, Sophie, qui a toujours su me comprendre et qui n'a jamais osé élever le ton, quand parfois j'étais rude avec elle. Rude avec elle. Mais cette question d'enfant a tout changé. Il est vrai que ma première femme fut à l'origine de ce second mariage que j'ai contracté. C'est peut-être parce que très fine, elle avait remarqué l'affection très tendre que je portais à mon neveu et a dû déduire par la suite que j'étais un peu malheureux de n'avoir pas un fils à moi. La preuve est que, quand elle m'a parlé de ce mariage, j'en ai été, pour ainsi dire, plutôt content. N'osant personnellement prendre cette initiative de peur de la blesser dans son amour propre. Si j'avais accepté, c'est parce que j'avais aussi pensé à nos mères, qui même à 50, comme on en voit parfois dans la cour de certains grands chefs, vivaient toujours dans la paix, dans la joie, dans l'entente. Le souci de chacune étant de plaire à son mari et de s'occuper sérieusement et soigneusement de la famille. Oh mon Dieu, quelle différence avec la génération présente.
Les femmes d'aujourd'hui veulent vivre seules. Disposer de leur mari comme elles l'entendent, comme elles le veulent. L'obliger à faire ceci, l'obliger à faire cela, et l'obliger même à faire l'impossible pour leur satisfaction personnelle. L'égoïsme aidant, certaines vont même jusqu'à se comparer à leur mari. Aller au travail, s'acheter des voitures, sortir quand elles veulent, négligeant ainsi la vie du foyer et celle des enfants. Voici que cette dernière venue, parce qu'elle a eu la chance de me donner un enfant, alors elle veut tout accaparer. Plus de respect pour ma première femme qui non seulement passerait pour sa mère, mais aussi a eu la courtoisie de la choisir pour moi. Oh mon Dieu! Que faire? Dois-je ainsi laisser maltraiter ma première femme parce qu'elle n'a pu me donner un héritier? Ou alors, dois-je aller reprendre l'autre de chez ses parents et rendre ainsi l'atmosphère invivable? Mes frères, mon malheur d'aujourd'hui, s'il n'est pas encore le vôtre, le sera peut-être demain. Car je suis convaincu d'une chose, nous nous trouvons tous sur le même navire. Alors, je vous en supplie, aidez-moi. Oui, aidez-moi à prendre ma résolution. Oh mon Dieu, que dois-je faire? Que dois-je faire? Baba, what?